tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo très courte pour vous présenter donc les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Vidéo de tuto autour d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. Une idée que j'ai eue, la fête des mères approche à grands pas. Et chaque année, au moment de la fête des mères, eh bien, on offre une carte ou des fleurs à sa mère, à sa belle-mère éventuellement. Et puis on en reste là. Or, j'ai autour de moi beaucoup de mamans, des collègues, des copines, les deux. Et je vois tous les jours eh ben, toutes ces femmes qui consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à être là pour leurs enfants, à être là aussi pour les enfants des autres. Hein, ça, c'est ce que je constate de par mon métier. Et voilà, elles tiennent la baraque, elles essaient de concilier quoi qu'il arrive leur vie de femme, leur vie de mère, leur vie professionnelle, leur vie de conjointe ou pas d'ailleurs. Hein. Et des mamans solo, des mamans pas solo, mais voilà, toutes ces copines, toutes ces amies, toutes ces sœurs, eh bien je me suis dit que j'allais leur faire une petite carte, à toutes, pour eh bien simplement leur souhaiter une bonne fête des mères, même si je suis pas leur fille, bah juste pour voilà, leur donner un peu de courage, un peu de reconnaissance, et puis essayer de leur faire un petit peu du bien au moral. Donc le projet, je l'explique rapidement, j'ai fait le compte, j'ai 16 cartes à faire pour mes collègues, copines, etc. Donc le but c'est de faire une série de tutos sur comment faire beaucoup de cartes rapidement, sans trop se prendre la tête, en s'organisant simplement, avec pas trop de matériel. Et voilà, donc il y aura plusieurs tutos. J'en ai prévu, je crois, 1, 2, 3, 4 en tout. Donc, il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins, on verra. Mais normalement, vous devriez avoir donc un tuto pour les fonds de cartes, qui est celui qui suivra directement cette vidéo. Il est déjà prêt, il va être en ligne rapidement. Suivra un tuto pour les embellissements des cartes, qui est en cours, que j'espère finir aujourd'hui, mais bon, c'est pas gagné. Ensuite, un tuto pour réaliser des enveloppes maison. Pareil, donc 16 enveloppes, faciles, rapides, et toutes pareilles. J'ai pensé à une petite astuce que je vais vous partager pour pouvoir eh bien, économiser son temps et son énergie tout en ayant un résultat qui soit satisfaisant. Et il y aura donc pour terminer eh bien, un petit tuto finition, on va dire, où on va venir assembler tout ça pour arriver au produit final. Enfin, je dis produit, pour arriver à la carte finale. Et je ferai très certainement, une fois que tout ça sera terminé, une petite vidéo voilà, musicale sans ma voix dessus de présentation de la carte. Encore que ça fera peut-être partie du dernier tuto, je n'en sais rien encore. Ça va venir. Donc suivez ce qui va arriver et puis faites-moi vos retours, abonnez-vous, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça me fera très plaisir et ça me permettra d'affiner la direction dans laquelle je dois aller pour la suite des événements. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon scrap. Dites à vos mères que vous les aimez, faites-leur des gros bisous, offrez-leur des fleurs, n'attendez pas la fête des mères. Et puis, comme a dit un jour une amie à moi, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, prouvez à vos mamans que vous les aimez, soyez là pour elles, ayez des petites attentions, prenez votre part de la charge mentale à la maison, et tout le monde ira beaucoup mieux. Allez, bisous, à bientôt.